Donc on va commencer par l'appel. Donc j'ai vu à peu près tout le monde. Il nous manque juste Jean-Paul Gardet. En absent. Ensuite, un petit rappel de l'ordre du jour. Donc une convention avec Rouen Agglomération pour une prestation de service. La formation, surtout la fixation des crédits pour la formation des élus. Une provision pour risque. Ensuite, il y aura l'approbation du compte administratif 2020 de la commune, l'approbation du compte de gestion, du service de gestion, l'affectation des résultats 2020 de la commune, une étude d'une demande d'aide au CCAS, une approbation d'un devis pour changement d'un taux d'incendie au Quillonnet, et ensuite, on aura les questions diverses. On va commencer par approuver le procès-verbal de la réunion précédente. Oh, pardon. Alain, tu dis quoi à cette fois? Allez, Alain. Alors, tu as quoi juste T'auras juste à signer. Ah, et puis prendre, être là pour attester que le quorum est rempli. Voilà. Éventuellement prendre des petites notes. Surtout au niveau des votes. Des votes, les abstentions, les votes. Donc le PV de la séance dernière, tout le monde l'a reçu. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Donc je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Merci. Donc le premier sujet, une convention avec Rouen Agglomération pour une proposition de prestation de service pour l'instruction de la partie accessibilité des autorisations de travaux sur les ERP. Donc jusqu'à maintenant, c'était la DDT, la Direction départementale des territoires de la Loire, qui instruisait les dossiers de mise en conformité pour l'accessibilité des ERP. Depuis septembre 2020, la DDT nous a annoncé l'arrêt de ce service. Donc au 1er janvier 2021, on n'a plus personne, pas au 1er janvier 2021, c'était une période de transition de 3 mois. Donc au 1er avril 2021, on n'aura plus personne pour nous aider dans l'instruction de ces permis, de ces déclarations sur l'aménagement des ERP. Donc, Rouen Agglomération nous propose une convention, une prestation de service. Ce sera validé au Conseil communautaire le 25 mars pour la création du tarif associé à cette prestation. Il sera proposé un tarif unitaire de 300 euros par rapport d'accessibilité rédigé par le service des autorisations d'occupation du sol de Rouen Agglomération. Donc du coup, je vous propose de bien vouloir adhérer à cette convention, sachant que nous ne serons facturés que les prestations qu'on demandera. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas... Alors l'engagement de durée, il n'est pas encore fixé. Les modalités de facturation non plus. Mais comme nous, on s'engage aussi dans la rénovation du gymnase avec la partie accessibilité, si on n'a personne, ça va être plus compliqué. Donc voilà, on sait que ça nous coûtera 300 euros pour le dossier. Mais on paye qu'une seule fois. J'ai une question. Pour la réaménagement des bâtiments, tout ça, on va passer par les architectes. C'est les architectes qui vont là-bas. Eux sont censés être au fait de tout ce qui est règlement, de monter des dossiers complets, etc. Donc pour les PDVR, pour les ERP, ils sont censés être au courant de tout ce qui est normes, réglementation. Pourquoi est-ce qu'on adhère à ce service? Est-ce que ce n'est pas redondant? Non, parce que là, c'est pour déposer les dossiers de permis de construire et de déclaration de travaux. C'est pas l'architecte qui va le faire. Ben, il va le faire, mais il faut qu'il le présente à quelqu'un. Donc là, on va le présenter au service concerné. C'est eux qui nous délivreront les autorisations. On ne met pas directement la DDT comme un permis de construire. Ah, ça n'existe plus. La DDT ne fait plus. D'accord. Nous, les permis de construire sont tous étudiés par l'ADS, le Rouen Agglomération, déjà. Mmh. Et l'accessibilité, c'était encore la DDT qui les instruisait. Sauf qu'à partir du 1er janvier, avec les 3 mois, donc du mois d'avril, la DDT ne les instruira plus. D'accord, mais ça veut dire que si on a supposition, on n'adhère pas à ce truc-là. On va être obligé de payer un service pour le faire qui coûtera beaucoup plus cher. Les dossiers à ce moment-là, à qui est-ce qu'on les remet si on les... C'est le service ADS qui doit les instruire, mais avec une instruction spéciale
Accessibilité. Non, cabinet d'architecte a fait son. Non, non, on est obligé de passer par, par un service instructeur. C'est une obligation. Ah ben, pour les bâtiments publics, oui. Ah, public. Oui, pour les ERP. D'accord. Après, si on nous propose 300 euros en convention comme ça, ça veut dire que ça coûte beaucoup plus cher si on ne passe pas par la convention. Mais à chaque dossier. Comment? À chaque dossier. À chaque dossier. Quelque chose qui a été gratuit avant? Par la DDT, oui. Parce que la DDT, c'était l'État. Voilà. D'autres questions? Donc, je soumets à votre approbation. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Une absence. Le deuxième point, fixation des crédits pour la formation des élus. Donc, un petit rappel, la formation des élus est organisée par le Code général des collectivités territoriales. Chaque élu peut bénéficier, ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée de son mandat. Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut pas être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction, mais il ne peut pas excéder non plus 20% du même montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits sont affectés en totalité au budget de l'exercice suivant. Ils ne peuvent pas être reportés au-delà de l'année au cours de laquelle intervient le renouvellement de l'Assemblée délibérante. Donc je vous propose de fixer à 2% du montant total des indemnités de fonction ce montant, ce qui correspond actuellement à un montant de 1 220 euros annuels. Par élu, dis ça. Par élu ou par an, pour, le, non, pour la totalité. D'accord. Donc 1 220 euros annuels pour nous 15. Voilà. Mais quel genre de formation? Alors, il y a des formations proposées par l'AMF, l'Association des maires de France. Il y en a beaucoup qui sont gratuites, comme les visios qu'on a fait tout à l'heure, ça en fait un peu partie. Après, il y a des formations un peu plus spécifiques qui sont payantes, où on doit mobiliser aussi notre droit, le DIF, la formation individuelle. Et ça, c'est autre chose, c'est en plus, on peut avoir d'autres formations, et si on vote que 2% des 1 220 euros, ça veut dire que la commune pourra payer 1 220 euros de formation par an à nous tous, quoi, aux élus. Mais dans quelle mesure? Enfin, je veux dire, il faut que ça concerne la mairie. Enfin, je veux dire, oui, c'est des formations qui sont proposées. Alors, il y a beaucoup comment prendre la parole en public, comment manager un groupe, sur les finances, sur la commission des impôts. Alors, on vous la fait suivre quand on la reçoit par l'AMF, on vous envoie le catalogue. D'accord. Qui doit apparaître, à mon avis, une fois par an. L'AMF, non, ils envoient. Comme ça, on vous partout. C'est utilisé en général? Moi, j'en fais pas mal. Ouais. J'en faisais pas au début du mandat précédent parce que j'avais pas le temps. Ouais. Mais en fait, je me rends compte que c'est bien d'y aller parce qu'on apprend plein de choses, on communique entre nous et c'est. Alors, il faut choisir les sujets, hein, tout n'est pas. Bah, tout est très intéressant, mais pas forcément nécessaire. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Voilà. Donc, 1 220, il y a le report de l'année dernière pour que tu utilisé. Et non, je ne crois pas. Non. Et du coup, c'est reporté pour cette année 2021. Il n'y a rien. Il n'y a rien à reporter. Oui, d'accord. Et ça, on le vote qu'une seule fois, on ne le revote pas tous les ans, sauf si on veut changer le mandat. Là, c'est fixé pour le mandat. D'accord.
D'autres questions? Donc, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, la provision pour risque. Alors, un petit rappel, toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provision pour risque, avec obligation de provisionner en présence de trois risques principaux. Le premier risque, c'est la provision pour contentieux. Le deuxième, c'est la provision dès l'ouverture d'une procédure collective. Et le troisième risque, c'est la provision pour recouvrement des restes sur compte des tiers. Donc, c'est celle qui nous concerne ce soir. Donc, cette provision intervient lorsque, malgré les diligences faites par le comptable public, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. En gros, pour faire simple, on a plusieurs choses qui n'ont pas été payées encore à la commune. Et le comptable nous demande de provisionner la somme. Donc aujourd'hui, la somme de tous les impayés se monte à 5 230 euros. Non, c'est spécial? Oui. Ah oui, je suis dans la liste pour voir ce... La plus grosse partie, c'est des loyers impayés. Okay. Et après, il reste que vraiment un ou deux encarts publicitaires, mais qui datent de... Je crois qu'il y en a un qui datait de... 2008 ou 2009 qui avait traîné. Il devait y en avoir un plus récent qui n'a pas été payé. Et puis voilà, il y avait pas mal d'autres petites choses qui viennent d'être encaissées là les derniers mois. Alors quand je vous parle de loyer impayé, c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'on a entre la trésorerie et l'équipe de l'année dernière, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Avec une trésorerie, c'est plus compliqué. Il faut qu'ils fassent des premiers courriers de relance, deuxième courrier de relance, troisième courrier, des saisies éventuellement à la CAF, des saisies sur salaire. Enfin, tant qu'on en arrive là, il s'écoule au moins 3 ans. Tout ça pour souvent pas grand-chose. Donc au jour d'aujourd'hui, la trésorerie nous demande de mettre cette somme, 5 230, de la sortir de notre trésorerie pour combler. Voilà. Mais aussi, on explique que si jamais les montants seront payés, les provisions seront ajustées annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elles donneront lieu à des reprises en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus susceptible de se réaliser. Donc voilà. Ça fait un petit moment que ça traîne et là, la trésorerie nous demande de le faire. C'est un montant qu'on va voter tous les ans? Non, une fois qu'il est... quelque chose de bloqué là pour les... Jusqu'à la fin du mandat. En fait, la procédure, c'est quand les recettes ne sont plus recouvrables, la trésorerie nous propose, et là, c'est à nous voir qui a délibéré. Même si on a c'est-à-dire qu'on a mis à la dette. Donc, à ce moment-là, c'est ce moment-là, c'est vrai, parce qu'on rentrera sur la commission pour ajouter les crédits de l'émission. C'est comme ce qu'on avait fait il y a quelques conseils de ça pour l'enquête du bar des anciens propriétaires. On va plus le faire. Oui, donc du coup, il ne doit pas rester beaucoup d'encarts là-dedans, alors si on a déjà fait pour l'encart. Il y en a un, mais qui doit dater ouais, de 2000, 2008 ou je ne sais pas quoi. L'essentiel, de mémoire, l'essentiel, c'est les loyers. Oui. Donc voilà. Il y a d'autres questions. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Ou qui s'abstiennent. Merci. Et bien maintenant, l'approbation du compte administratif de la commune. Et je vais laisser Yves vous le présenter et je vais vous laisser. Puisque je n'ai pas le droit, d'assister ni au débat ni au vote de ce compte. Ils sont
majeure partie. Enfin, ce sont des choses que j'ai pour la plupart validées. Donc maintenant, c'est à vous de les de dire ce que vous en pensez. Ou... Et tu t'en vas pas. Non, pas très loin. N'écoute pas la personne. Hein? Non, je fais. N'oubliez pas de venir chercher. Oui, alors. Alors, on va commencer par la section fonctionnement. Donc, en dépenses. On va commencer par les dépenses. Charge à caractère général, budget prévu 247 211,42. Réalisé 176 711,40. Donc, je vais les détails sur la colonne droite. Charge personnelle, 298 500 euros. Juste préciser, vous connaissez. Dans les dépenses. Ah oui, d'accord. Charge de personnel, 298 500 de budgété. Réalisé 272 169. Atténuation de produit. Prévu 5 000 euros, réalisé 4 551. Autre charge de gestion courante, 71 629, réalisé 65 305,95. Charge financière, 12 500, réalisé 12 162,44. Charge exceptionnelle 1000, réalisé 731,86. Virement à la section d'investissement 129 638,26. Opération d'ordre de transfert entre sections, prévu 900, réalisé 856,52. Il nous fait un total pour l'année de 766 378,68 de budgété et de prévu de réaliser 532 488,28. Maintenant, les recettes. Recettes, donc, atténuation de charge 12 900,80,85 de RLV. Les produits de service, donc prévus 43 900, réalisés 40 465. Donc, on a un petit manque qui est élu surtout aux cantines avec le confinement. On a pris moins d'entrées d'argent des cantines. Les impôts et taxes, prévus 418 126, réalisés 448 536,87. Dotations et participation 134 813, réalisés 150 825,96. Autres produits de gestion courante, 11 500, réalisé 13 480. Produits financiers, 3 euros, réalisé. Produits exceptionnels, 3 049,55. Donc, pour un montant total de l'année, de prévu 608 339 et réalisé 669 212,03. Ce qui laisse un excédent de fonctionnement pour l'exercice 2020 de 136 723,75, auquel il faut rajouter l'excédent de fonctionnement de l'année 2019 de 158 039,68, soit un excédent global pour l'année 2020 de 294 763,43, dont 130 521,93 affectés à l'autofinancement de l'investissement. Soit un excédent réel de fonctionnement pour l'année 2020 de 164 241,50. On passe à l'investissement. Et c'est des montants normaux d'excédent. On s'est vu parce qu'il y a eu le Covid et que. Investissement. Opération financière prévue 75 000, donc on est toujours dans les, on est dans les dépenses, on est dans les dépenses. Prévue 75 063,10, réalisé 74 495,28.
Acquisition de matériel divers, 6 868 euros prévus, réalisé 2187,49. Reste à réaliser 4680. Programme voirie, prévu 93 315, réalisé 53 444,51. Reste à réaliser 39 869. On a une grosse somme parce qu'il nous reste, on avait la rue de l'industrie, c'est ça? Non, on a les travaux de la fin des travaux. La fin des travaux, voilà. Qui n'ont pas pu être réalisés, voilà. Qui n'ont pas pu être réalisés, on était trop avancés dans la saison pour faire le gravier. Salle de sport et à bord, prévu 78 069 euros, réalisé 12 809, reste à réaliser 65 160. Qui sera reporté certainement, de toute façon. Travaux de bâtiment 104 145,26, le prévu reste à réaliser 104 145 euros. 34 489, réalisé 20 637, reste à réaliser 13 681 euros. Éclairage public, prévu 51 853 euros, réalisé 23 326,86, reste à réaliser 28 467. Site prévu 6 216, réalisé 100 980, reste à réaliser 4 236. Bâtiment retouché 4 223, qui reste à réaliser 4 223. C'était un budget prévu pour la réparation de la salle d'appartement. Terrain de foot, prévu 71 513, reste à réaliser 37 961,87, reste à réaliser 33 550. Église, cure et abord, prévu 3 500, réalisé 2 656,80. Aménagement de la RD 57, 15 206, réalisé 496,80. Et reste à réaliser 14 709. Décoration de Noël 7 000 euros, réalisé 3 768, reste 3 239. Qui nous fait un total de l'année de 551 460 et de 36 du budget prévu, de réaliser 233 818,26, reste à reporter 315 959. Quand tu dis reste à réaliser au 31, c'est des commandes qui ont été engagées ou pas du tout? Pas spécialement. C'est tombé dedans, il y a une partie des commandes qui sont déjà engagées. Maintenant, les retraites. Alors, opération financière, 175 237,10 de prévu, réalisé 179 405,48. Opération d'ordre de transfert entre sections, 900 euros. Le prévu réalisé 856,52. Virement de la section fonctionnement 129 638,26. La voirie prévu 41 568, réalisé 22 000, reste à reporter 19 568. Solde de sport et avoir 2 750 de prévu, réalisé 2 750. Travaux du bâtiment 1073 de prévu, 1073 de réalisé. École publique 16 020, réalisé 9 512,11. Éclairage public 17 500 de prévu, réalisé 17 481,22. Cimetière prévu 3 999, réalisé 3 834. Bâtiment route de Charlieu 338 de prévu, 338 de réalisé. 388, pardon. Terrain de foot 161 245, réalisé 34 612, reste à réaliser 126 633. Église pure et abord prévu 1142, réalisé 1142. Total de l'année
de prévu 551 460,36 €, réalisé 273 054,3 €, reste à réaliser 146 201. Ce qui laisse un excédent d'investissement pour l'exercice de 2020 de 39 236,07 €, auquel il faut rajouter la différence entre le reste à réaliser dépenses et recettes 169 758, soit un déficit global d'investissement pour l'année de 130 521,93 €. Voilà. Des questions? Au final, pour résumer, ce qui est, on a donc 164 000 euros bénéficiaires, on va être dépensé. Et c'est prévu? Oui. Ils sont remis pour le budget de la réserve. Et qui vont servir à quoi? Ça dépend où on va aller là. Je comprends bien, mais c'est quand même une somme qui est importante. Enfin, c'est une somme qu'on avait, je vois en gros, l'aménagement de la salle, on avait mis un budget, qui n'a pas été réalisé parce qu'on a, on commence juste les études, les choses comme ça. Ça a été budgétisé, mais pas. Voilà. Mais c'est des provisions. C'est des provisions. Et c'est des provisions qui peuvent gonfler d'année en année pour payer leur somme. Tout à fait. Donc c'est une somme qu'on va retrouver l'an prochain. Et puis si on voudrait être plus riche, si on, voilà, on les met de côté pour. On la reprend et on la rajoute dessus. Voilà. C'est ce qu'on avait fait d'ailleurs pour le terrain foot. C'est pour ça qu'on les retrouve à la fin. On a une vidéo du coup de la réflexion de ça. Non, pas encore. Du tout. Non, il y a des bureaux d'études, proposition du bureau d'études, mais pas du tout. Non, on n'a pas encore décidé du projet, donc on n'a pas pu encore décider. Aucun devis qui a été fait, il y a pas. Non, pas ça, on est juste des propositions. Il y aura un moment, il va falloir choisir. On va avoir plusieurs plans d'archives pour décider. Oui, bien sûr. Dans le sujet du budget, c'est juste que si à 164 000 euros chaque année qu'on arrive à le découper, je ne sais pas combien va coûter la réflexion de la salle, mais on peut peut-être faire des projets généraux. Ouais, il n'y a pas que la salle dans les 164 000. Mais oui, c'est tout. Et je ne sais pas les autres projets du coup, qui sont prévus. Plus traditionnés, les salles d'association, la voirie, et la voirie aussi. Non, ça c'est plutôt vrai. Oui. Au niveau du terrain de foot, tout est bon. Au niveau des factures et des subventions, on a tout reçu. Les travaux, Non, on est vraiment, on est bon, on a payé l'électricité, là. Le seul d'électricité, il y a une année, je crois. Ouais. Et peut-être le moins, il n'y a pas du ça, je ne sais pas quoi. Bah après, cette table, ça va être de l'entretien courant régulier, quoi. Ouais. Et en termes d'utilisation, on est où aujourd'hui? Il n'a pas été mis en route, déjà avec le confinement, pas de match. Oui. On avait le souci du gazon qui n'avait pas repris sur les drains. Vous
saison. Bon, on espère qu'avec le printemps, c'est la saison. Ça revient, mais deux fois. Ben, je n'ai pas d'autres personnes, il y a quelques temps, ils m'ont dit si, il faut redévoler, ça va partir ou pas, non. Après, bon, la première fois, ils m'ont semé au mois de juin, juillet. Je n'ai jamais vu prendre de la mousse cette saison-là. Donc, ils ont mis un peu de terre ? Non. Ils l'ont ressemé à une période de. Ben, quand on en a parlé, on a dit que ce serait bien de la ressemer. C'était au moment où, en fin d'année, la pluie commençait d'arriver. C'était là qu'il aurait fallu le faire, ils ont attendu 3 semaines pour le faire. Donc après, les températures ont pas mal chuté. Les gelées sont arrivées derrière, donc ce n'était pas la période optimale pour faire germer ces graines. Là, après, bon, j'espère que ces graines-là qui résistent, qui repartent au printemps. Donc, beaucoup de gens l'air dire que ça devrait finir par s'atténuer. Mais bon, là, il y a eu un loupé avec l'entreprise qui s'est fait bananer. Le paysagiste qui a fait également tout traité pour faire ses brins. Et il avait une autre entreprise au départ qui devait le faire. Ils l'ont emmené un petit peu en bateau. Parce que le gros gabarit de cette entreprise avait répondu sur le marché pour faire un entièrement de terrain. Et du fait qu'elle n'a pas eu, elle n'avait pas fait d'effort pour venir en temps normal, il est obligé d'en choisir une autre pour venir faire les travaux. Quoi. Et ils n'ont pas pu venir à la prison optimale. Ça a été fait trop tard, les parents. Trop tard, oui et non, ça a été fait, mais bon, après les fortes chaleurs sont arrivées derrière, ça n'a pas pu s'engazonner correctement. Donc, il aurait fallu que ça se fasse au printemps, c'est bon. Mais là, ils ont engazonné. Ils ont engazonné deux fois. Non, mais là, ils vont refaire. Ils prétendent que ça devrait pousser. On va voir si vraiment ça se passe. Il faudra qu'ils engazonnent. Je pense qu'il faudra qu'ils nous apportent. Je vous disais bien que c'était maintenant pour aller faire. Des mauvaises herbes. C'est, ben, c'est vrai qu'il y a un problème en plus aujourd'hui, on voit des produits phyto, le gazon il salit. Et pourquoi on creuse pas un peu et puis on met du faux gazon, des bandes de fer? Ben, parce que le problème, les drains font tout le reflet. Si on met si on rapporte le végétal sur les drains. Non, pas du végétal, du faux gazon. Du faux gazon. Donc c'est. Ben ouais, mais ça va le faire. Mettre du faux gazon dans un truc. Ouais, mais est-ce que tu as des tuyaux dans les cailloux? Ça. Ah, mais je pense que dans, avec le temps, je pense que ça va se combler. Ouais, mais avec quoi? Avec de la merde. Oh, spécialement. Non, il a ce qu'il doit en attaquer. D'accord, on va le scarifier. Faut qu'on le fasse se scarifier, là, déjà, les terrains, pour faire quand même la mauvaise herbe. C'est ça, ils n'ont pas de terrain potable. Il y a encore une cobie, il y a un petit terrain. Ah, c'est vrai, mais c'est sûr que là, il y a eu un loupé avec le paysagiste pour faire faire ces tableaux de drap. C'est sûr. Et comment ça se fait qu'il était engazonné avant de tirer les draps? Bah, c'est ça, oui. Ça fait plus tard comme ça. Mais il était super lent, hein. Ah, bah oui. Ah, oui. Ah, ah. Alors, tu veux on les a déjà avancés une fois, Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? C'est bon? Oui, bah, tout. On peut faire revenir le rentre. Coucou, on va. Dans son bureau. On fait travailler, c'est bon? Bonjour. Merci. Donc on continue avec l'approbation du compte de gestion du service de gestion comptable, du coup cette fois. Ouais, il y avait des chiffres, mais non. Du coup, ça va ressortir les mêmes chiffres, moi je les représente pas. Ça, c'est juste le côté compte de gestion de la trésorerie sur les mêmes chiffres.
Il nous renvoie le document pour que nous on valide qu'il est identique à celui que nous on a présenté. Il y a deux pour la France, il y a deux documents. Un document de revenu commun, un document pour l'habitant qui est. D'accord. Donc il y a deux documents pour pas d'autres questions? Donc je soumets votre approbation. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, les chiffres du résultat comptable 2020. Donc avec un excédent global de fonctionnement de 294 763,43 €. Un déficit global d'investissement donc de moins 130 521,93 €. Donc il est proposé au conseil municipal d'affecter une partie d'excédent de fonctionnement pour financer le déficit d'investissement et le solde en report de recettes de fonctionnement. Donc une affectation en investissement de 130 521,93 € et un report en section de fonctionnement de 164 241,50 €. Est-ce qu'il y a des questions? On procède au vote. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? Merci. Ensuite, une étude d'une demande d'aide au CCAS. Alors, il y a quelques mois, j'ai été interpellée par des administrés de Contours et d'ailleurs sur le comportement dangereux d'une conductrice de la commune, donc qui semblait conduire son véhicule. Les gens ne savaient pas trop si c'était sous emprise d'alcool ou d'autres choses. Donc, il s'avère que c'était sous emprise médicamenteuse. Il y a eu plusieurs accidents. Autour et ailleurs. Il y a une fois où on a dû, avec Yves et Jean-Paul, intervenir un matin parce que cette dame voulait à tout prix reprendre sa voiture qui était garée sur le parking de la poste et c'était 11h30 l'heure de sortie des écoles. Donc on l'a empêché de partir parce qu'on estimait que ça pouvait être dangereux. Et du coup, après ça, j'ai pris conseil auprès de la gendarmerie pour savoir ce qu'on pouvait faire. Donc, on m'a conseillé d'appeler le service des permis de conduire à la sous-préfecture et de, en gros, de demander que cette personne passe des tests pour qu'on lui valide ou pas son permis de conduire, qu'on lui laisse ou qu'on lui retire ou enfin bon, voilà. Donc, j'ai déclenché la procédure. Cette personne, par le biais de son assistante sociale, nous a fait remonter qu'elle était tout à fait prête à coopérer et à passer les tests, mais que financièrement, elle n'avait pas les moyens et qu'elle sollicitait une aide de la commune. Donc, pour étudier cette aide, j'ai demandé par l'assistante sociale ses dépenses et ses recettes mensuelles, pour qu'on puisse se rendre compte et évaluer un petit peu. Donc, vous les avez sous les yeux, hein, des dépenses, je ne vais pas vous les détailler, mais de 990 € mensuels. Des recettes de 1 279 € mensuels, donc avec un reste à vivre de 288 € environ par mois. Les tests psychotechniques s'évaluent à 85 €. Et après, il y avait diverses visites médicales, il fallait qu'elle en passe avant et après, donc c'était un total de 135 € qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Donc en fait, cette personne, par le biais de l'assistante sociale, nous demande une aide à hauteur de 135 € pour passer ses examens. Voilà. Ces visites, moi, elles ne sont pas obligatoires, mais donc elle a bien voulu les faire. En fait, ils consistent en quoi? C'est en fait. C'est boîte de médicaments. C'est marqué à de conduire. Oui, c'est une commission qui
Ils vont pas devant la commission, ils vont passer des tests et puis ils jugent si elle peut conduire ou pas. Dans les papiers. Apparemment, les tests ont déjà été passés, mais elle maintient sa demande d'aide quand même, puisque financièrement, je ne sais pas si elle les a payés ou. Non, j'ai rien reçu du tout. C'est l'assistante sociale qui m'a juste dit que normalement les tests avaient été réalisés, mais qu'elle demandait toujours l'aide de 135 euros parce qu'elle. On l'a eu. J'ai eu par l'assistante sociale, mais j'ai rien eu d'officiel. Ouais, non, alors, au jour d'aujourd'hui, donc tu sais pas si elle va continuer, tu sais toi si elle va continuer à conduire ou pas. Aujourd'hui, elle peut continuer à conduire, je pense. Donc, ça veut dire que c'est récurrent, quoi. Ça veut dire que potentiellement, moi, dans ce cas-là, autant, tu vois, si. Enfin, je sais pas. Après, il y a plusieurs façons d'aborder la chose. Soit on se dit, on avait fait une petite commission CCAS pour en parler un petit peu. Il y a quelques temps, et on s'était dit, si on ne paye pas, elle ne passera jamais les tests, enfin, si on n'aide pas, elle ne passera jamais les tests, donc elle continuera à conduire et être potentiellement dangereuse. Donc il y a cette façon de voir les choses aussi. Oui, mais elle a fait les tests, donc les tests sont faits, et on sait qu'elle va continuer. Après, moi, le résultat n'est pas officiel. Moi, c'est l'assistante sociale qui m'a rapporté ça, donc je ne peux pas... Et même normalement, le résultat m'avait dit à la sous-préfecture que je ne l'aurais jamais. Ouais, bon, parce qu'elle continue à conduire, ça veut dire que mon ami 135 euros. Ouais. Non, parce que je pense qu'il y a des restrictions quand même. Ah ouais. Elle aura des restrictions et elle aura aussi donc, un suivi. Oui, mais les restrictions, c'est autorisé à conduire sur une certaine distance. C'est quoi? Si vous avez continué à conduire dans le coin, non, toujours, regarde la tour de tour. Moi, enfin, c'est ça. Ça me fait la peine, hein, parce que chez qui on parle, moi, sincèrement, le jour où j'étais derrière elle, je me suis demandé comment elle était arrivée à Coutour. Après, on ne peut pas, enfin, à part le médecin qui lui fait passer des tests, mais nous, on ne peut rien faire pour lui enlever son permis. Non, mais il y a la gendarmerie non plus. Non. C'est fait pas de faute. Non, parce que là. De quoi? C'est fait pas de faute. En fait, je suis là une fois, tu verras que si tu la suis, tu lui mets une caméra et puis tu vas lui dire, c'est bon, tu peux lui enlever son permis. Tu lui demandes à quel moment elle va faire cartonner des pauvres gens qui sont en face d'elle. C'est, franchement, c'est un danger public, quoi. Je vais le dire aujourd'hui. Après, ce qui a été fait là, c'est une première étape. Il y a donc des morts. Hein. Mais est-ce que ça a déjà été payé ou pas sur la visite là? Bon, je sais pas. Parce que si elle a passé la visite, les demandes ne sont pas déjà payées. En tout cas, elle maintient sa demande d'aide. Parce que, en général, quand c'est déjà payé, on n'aide pas. Enfin, c'est une famille qui avance. Au moment où elle l'a payé, c'est qu'elle peut la payer. L'assistance sociale a dit que c'était pour pallier à d'autres dépenses qu'elle n'avait pas pu faire en payant ses prix. Alors, moi, j'y mets un bémol, je suis rabat-joie, mais c'est pas grave. Il y a 90 euros ouais. Pour le téléphone et Netflix. Et Netflix, ouais. Donc, je suis pas. Bah, moi, c'est la première chose que je vais te dire. Moi aussi. C'est tous les mois. C'est une garantie. Juste quelque chose, on a dit quand même tout. On s'est perdu, il n'y a rien à faire. Ouais, mais après, c'est dans toute la France quasi qu'il n'y a rien à faire. Mais de quel droit de se permettre de dire à quelqu'un, bah, bon, vous n'avez plus le droit de télé. Non, c'est pas ça. Elle dit qu'elle n'a pas les moyens d'un truc, mais elle a les moyens. Enfin, je sais pas, moi je veux dire, chez le portable, je sais pas pourtant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu sais que t'es dangereuse, elle le sait, c'est obligé, je l'ai suivi. Si t'es une famille qui est en face, toi, t'arrives avec ta famille, tu vas prendre ta place, tu vas faire mieux. Mais je ne sais pas, il n'empêche que pour faire en sorte que les gens se soignent au niveau médical, si elle a besoin d'aide pour ça, Oui, qu'on l'aide, mais qu'on l'aide à soigner. Mais là, c'est pas, on ne sait pas, on ne l'aide pas à soigner. Là. On est amené à se demander si elle va pouvoir continuer à conduire ou pas. Aujourd'hui, c'est. On l'a financièrement, on va pouvoir passer, c'est des examens médicaux. Ouais. On va lui retirer Netflix pour qu'elle puisse. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à toi, après, c'est facile de tricher. Les médicaments, je vais dire une chose, mais celle qu'elle prend, je les connais à peu près, et je prends les mêmes.
quasiment prend les mêmes qu'elle. Après, ça dépend des doses. Mais c'est facile. Un jour, tu prends des doses, puis le lendemain, tu en prends un peu moins. Et puis, le jour où tu as passé tes tests, c'est correct. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, mais je veux dire, c'est pas de nouveaux lieux aussi. Après, le jour où on a tué quelqu'un, par contre, c'est trop tard, quoi. C'est irréversible. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut voir. C'est pour ça que, je vous dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen? Alors, l'aider à se soigner, nous, on ne prend pas. J'ai essayé, honnêtement, j'ai passé du temps au téléphone avec sa famille, avec elle, j'ai essayé beaucoup de choses. On n'a pas réussi à avancer. Après, nous, là, ce soir, on n'est pas là pour l'aider à se soigner. C'est quelque chose qui ne regarde qu'elle, à la limite. On a beau lui dire, quand la personne n'est pas volontaire, on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est difficile. Ce soir, on est là juste pour dire, est-ce qu'on l'aide? Est-ce qu'on l'aide entièrement? Un petit peu? En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là pour la juger. Non, mais non, non, personne ne pas ça. Je dis juste que ce n'est pas quand il y aura... Alors, je dis moi, hein, qu'il y aura mort. Il faut qu'on dise, on l'a aidé pour passer son truc, et finalement, le laisser son permis, finalement, il y a quelqu'un même qui a. Après, le laisser son permis, c'est pas nous qui décidons. Ouais, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas justement d'autres. Pour l'instant, aller chercher plus loin, quoi. Et puis, malheureusement, tant qu'il y a pas de. Tant qu'elle ne fait pas beaucoup d'infractions à perdre tous ses points, tant qu'elle n'a pas un grave accident à perdre sa voiture, tant que. Et pire, on ne pourra jamais la stopper entièrement. Après, cette visite médicale, elle a passé, elle les a passées suite à une demande de la mairie. Oui. Oui, mais c'est un rendez-vous, c'est... Oui, si on n'avait rien dit, elle continue la rue, elle n'avait pas dépensé ses 35 euros. Mm-hmm. Voilà, c'est... Ouais. Elle a fait la démarche, elle a fait l'effort de le faire. 35 euros, c'est une somme, mais c'est pas moi. Non, c'est pas la somme qui nous dérange. C'est pas ce qui va empêcher notre échec de conduire. Ce qui va empêcher de conduire, c'est que mettre un gendarme derrière elle, c'est faire une fraction à l'autre. Mais ça, on ne peut que demander éventuellement à la gendarmerie d'intervenir un peu plus souvent. C'est vrai, mais on a encore poussé un coup d'eau. Il faudrait que tu sois derrière. Il faudrait la tuer pendant 48 heures. Non, mais j'imagine une caméra, une. C'est pas très légal, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Bah oui, c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'on en France. Il y a d'autres gens qui sont. Bah, je crois que ça passe. Oui, il y a d'autres gens qui étaient derrière, parce que c'est pour le perturbeur, d'autres gens. Oui, après, on a un CCAS, comme dans toutes les communes, avec un budget qui est là pour aider les gens qui ont besoin. Oui, mais là, c'est pour aller, c'est pour protéger les gens. Vous protégez les gens. Oui, puis c'est une demande de la mairie, du coup. C'est vrai que c'est peut-être un peu vache. De lui refuser une aide, alors que c'est le mairie qui l'a pas obligé aussi, quoi. Non, non, mais je suis... Comme disait Bruno, il a raison. Ouais. C'est payé pour ça. Peut-être en prenant la gendarmerie, en leur demandant, pendant une période, d'essayer de surveiller un peu plus cette personne. Donne les dates, quoi. Mais c'est... Non, moi, j'aime autant pas les voir. Mais bon, c'est pour ça. Non, mais je n'ai pas compris, c'est pas ça. C'est la seule chose qu'on peut faire, selon moi. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. Moi, je pense que déjà d'avoir déclenché, j'espère, hein, parce que je ne connais pas la procédure après, mais j'espère qu'il y aura un suivi et que ça continuera, ça ne restera pas juste à ces tests. Et puis, moi, d'après ce que j'ai compris, il y a quand même un autre rendez-vous, un suivi médical, elle l'a, ce suivi médical, mais un autre rendez-vous proposé pour des nouveaux tests ou pas, je ne sais pas comment ça se passe. Mais en tout cas, il y aura au moins un contrôle là-dessus. En fait, aujourd'hui, tu te dis 135 euros, ça va dans l'autre sens, dans le sens de la sécurité des gens, tu te dis, il n'y a rien, il n'y a aucune vie. Mais là, voilà, là, oui, on est presque voilà. Mais après, encore une fois, les résultats, le compte-rendu officiel, on ne l'aura jamais. Moi, ce que je vous en ai dit, c'est ce que j'avais entendu de l'assistante sociale, mais j'ai aucune certitude que ce soit ça. Et puis, peut-être qu'elle si elle a d'autres examens, parce que je sais qu'elle revoit le médecin encore après. Elle n'en a pas encore connu. Si elle le reprend, il y a peut-être aussi d'autres restrictions, d'autres annulations, ben, je ne sais pas. Après, pour cette aide, on validera en deux fois, hein, on aide ou on n'aide pas, et après, il y a tout le temps, soit en totalité, une partie, vous pouvez décider.
l'impression qu'elle avait vu. Non, mais c'est ça, un mec que tu vas jouer avec, qui a vu trois verres, et qui est. On va lui enlever ses points, on va lui enlever son permis, et puis c'est triste pour elle, hein. C'est triste pour elle. Oui, c'est sûr, toujours le permis, qu'elle pourra plus rouler, c'est sûr. Ça. Mets-toi à ta place. Mets-toi à ta place. Oui, si, mais je suis là. Faire les courses, elle pourra plus rien. Oui, mais ça, je suis là. Non, mais je pense qu'elle a plus besoin d'une grande aide, mais aide physique. Oui, mais voilà. Ça va pas dans notre plan, oui, je suis d'accord. Mais pourquoi, enfin. Moi, j'ai beaucoup parlé avec elle. Hein. Je la connais, j'ai beaucoup parlé avec elle. Quand tu lui parles, elle te dit oui. Et puis le lendemain, elle parle. Et ça me fait vraiment de la peine. C'est vrai que c'est pas de notre sort. Voilà. Non, mais. Alors, on peut se dire, si on l'aide, c'est une main tendue pour lui dire. Nous, quand elle vient, c'est qu'on discute beaucoup quand même. C'est une main tendue pour continuer. Enfin, si on ne l'aide pas, elle peut dire, ils s'en foutent, je continue, voilà. C'est vraiment une décision qu'on doit prendre ensemble. Je pense que ces contrôles viennent de, ces visites viennent de nous. Si c'est une démarche de la mairie, c'est une démarche de la mairie. On est d'accord pour dire qu'on est là, mais je pense que moi je perds. Et puis maintenant, voilà, on décide le montant. Le montant est 85 € de test et 50 € de visite, 2 × 25 € de visite médicale. C'est un montant total de 135. Mais est-ce qu'on ne peut pas, en fait, ma question elle est, est-ce qu'on ne peut pas l'aider autrement? Moi je peux le dire, je ne sais pas. Après, moi ce que je peux faire si on valide l'aide ce soir, c'est de rentrer en contact avec l'assistante sociale qui me répond bien et de lui dire, de lui expliquer un petit peu le débat qu'on a eu. L'aider financièrement, voilà, ça ne nous pose pas de problème. Mais ce qu'on voudrait par-dessus tout, c'est qu'elle se soigne et que ça n'arrive plus. Donc peut-être, au moins rester en contact avec l'assistance sociale et puis la suivre en fait. Après, moi j'ai son numéro de téléphone, elle a le mien, cette dame, et elle m'a déjà appelé, elle peut m'appeler. Un soir, elle a eu un accident sur la commune, je suis allée la voir, voilà. Elle peut l'aider, mais elle est tellement gentille en fait, elle est gentille. Donc c'est vraiment triste quoi. Donc on valide ça, tout le monde est d'accord pour aider déjà, et puis après je trouver la somme, et puis chacun vote comme il veut. Donc je propose une aide à hauteur de 135 €. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre ou qui s'abstiennent? D'accord, merci. Donc je contacterai l'assistante sociale et je vous dirai. Ouais, c'est quand elle va voir son médecin, il y a l'assistante qui vient avec elle ou pas? Pour expliquer au médecin qu'il y a des effets indésirables. Non, sur le médecin. Parce que si elle ne le dit pas, est-ce que. Tu sais, t'as des médicaments, il y en a qui viennent dans son médecin, des trucs comme ça, ils ne t'attendent pas. Et ça se trouve, il pourrait peut-être changer le traitement et la propriété est un peu mieux si elle disait la vérité. Quoi. Est-ce qu'il y a moyen peut-être de dire, vous allez au médecin, mais avec l'assistante sociale, et elle explique les effets du médicament, quoi. Je verrai. Au médecin où elle est suivie, je pense, au centre où elle est suivie, je pense qu'il y a des assistantes sociales. Mais je peux aussi en parler d'assistantes sociales du département. Qu'elle lui oblige à venir pour expliquer vraiment qu'elle est dangereuse au volant, quoi, dure à cause des médicaments, peut-être. Enfin, j'aurai des échanges avec l'assistante sociale et je vous tiendrai au courant. Elle va toujours prendre son couvert ? Je sais pas. Non. Et le dernier point, l'approbation d'un devis pour changement d'un contrôle d'incendie au Quillonnet. Donc, on a une grosse canalisation au Quillonnet qui casse sans cesse entre le carrefour du Tremblay et le Quillonnet depuis des années. Hein, elle est en très mauvais état. Donc, cette année, ça avait été acté par le syndicat Renoir Nord et aujourd'hui, c'est Rouennais de l'eau qui a repris. Donc, les travaux vont être faits. Ils avaient déjà dû commencer, mais je crois qu'ils ont un peu de retard sur la commande des tuyaux, donc ça devrait, je pense, d'ici 15 jours, ça devrait débuter, il me semble. Ils font je ne sais plus combien de mètres linéaires, mais c'est énorme. Il semble, non.
800 vénères, on va dire. L'impact sur les coupures d'eau, il n'y en aura quasi pas, parce qu'apparemment, ils vont mettre leur deuxième canalisation en parallèle de la première, et ils couperont que le dernier jour. Et je crois qu'il y en a pour 3 semaines de travaux, à peu près. Donc, du coup, on a largement le temps d'aviser les gens qu'il y aura une coupure d'eau sur une demi-journée, j'imagine. Donc, voilà, ce sera une belle avancée, parce que ça casse très, très souvent là-bas. Et donc, du coup, Suez nous a contactés pour nous expliquer qu'il y avait un poteau d'incendie qui devait changer de place. Donc, c'est celui qui est à l'angle de la maison de M. Giraud. Je ne sais jamais, c'est le vieille vigne, là. Le chemin des vieilles vignes. Ils vont le changer de place parce qu'il doit être pas accessible ou... Et puis déjà, ce n'est pas la bonne section parce qu'on va passer avec un tuyau, ils vont passer avec un tuyau de 1910 et actuellement la colonne est en 80. Oui, mais ça, pourquoi ils changent de place, je ne sais pas. Là, ils vont le mettre à... Alors l'autre chemin, je ne sais pas, c'est vers M. Nanquinton. D'accord. C'est chemin du... Ah, je sais. Qu'il y a même, non? Non, pas le chemin du... Pas le dur. Noyeron. Donc il déplace ce poteau d'incendie. Actuellement où il est, il débite à 18 mètres cubes par heure à pression 1 bar. Le maximum qu'il peut débiter, c'est 20 mètres cubes. Et sachant que dans la zone pavillonnaire peu dense, là où elle se trouve, il faudrait que ça débite à 30 mètres cubes. Donc on est quand même un peu loin. Donc là, en changeant ce poteau d'incendie, en fait, comme la canalisation sera en 110 au lieu de 80 actuellement, comme tu l'as dit, en mettant un poteau d'incendie nouveau, on pourrait passer à 30 mètres cubes par heure. Et on serait à un débit normal pour cette zone d'habitat. Bien sûr, ce changement a un coût à la charge de la commune. Croisès de l'eau prend en charge le branchement et à la commune, on doit payer le poteau, donc qui est de 1865,41 € hors taxe, soit 2238,49 € TTC. Et on précise que seule cette entreprise est habilitée à intervenir sur le réseau d'eau potable, donc on ne peut pas demander d'autres devis à l'EF. Voilà. On récupère la TVA, La TVA, oui. En gros, c'est... Oui, évidemment. Ah non, on ne récupère pas la TVA entièrement. Non, on récupère mais c'est un pourcentage, on ne récupère pas entièrement. Mais ça doit correspondre à peu près au... Alors, je ne sais pas si c'est à 20% ou 9%. D'accord. Donc voilà. On vote ? Ah bah... Attends, on n'a pas le choix. Ah bah si, on a le choix. On peut dire, on ne change pas. Ça continue à péter. Non, ça c'est... La télé, c'est pas trompé. Ça veut juste dire que le poteau d'incendie, il débite pas assez. Et puis il y a un gros incendie, c'est compliqué. Là, en le changeant... Et du fait du changement de canalisation, on améliorerait un petit peu le débit pour remplir le camion des pompiers. Et ça, c'est plus facile. Et oui, parce que là, il est pris dans le joli sapin, là, monsieur Arbeau, ah, ouais. Et je pense que tout garé là. Il faut une plateforme, quand il faut, je sais pourquoi. Bah, c'est pas bien plat, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il le change, qu'il n'est pas trop accessible. On n'en parle pas plus, on procède au vote directement. Donc, je vous propose de le changer. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre? Ou qui s'abstiennent. Merci. Et puis, on a épuisé l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. Et comme d'habitude, je commence avec mes points et je vous laisse après. Donc, le premier point qu'on vous a mis sur l'ordre du jour... on a été sollicité par une entreprise qui nous propose de communiquer avec nos habitants par moyen de SMS. Je sais que sur la commune de Perreux, ils le font. En fait, ils demandent à leurs habitants le numéro et l'autorisation d'envoyer des SMS. Et quand on a une information à leur faire passer, on envoie un SMS groupé. Donc, par contre, je ne savais pas du tout comment ça marchait. Et cette société nous a appelé. Alors, c'est un peu différent, je pense, du système de Perreux.
Cette société, elle nous propose, donc c'est à nous de fournir le numéro de téléphone des gens avec leur, si on veut, regrouper les personnes de plus de 70 ans, les personnes qui habitent telle rue, quand on dispatche un peu comme on veut. Voilà. Et le jour où on a une information à faire passer, dire ben, dans telle rue, il y aura une coupure d'eau, il n'y aura plus d'électricité, ou avec plus de 70 ans, vous pouvez vous faire vacciner, on sélectionne. Et on est facturé 4 centimes par SMS envoyé. Par numéro de téléphone. Alors, c'est un peu la même chose, sauf que panneau poquet, ça ne touche pas tout le monde. C'est un complément, panneau poquet. C'est un complément. C'est pas vraiment en direct, tu ne cibles pas les personnes directement. Ouais. Ah, il faut être volontaire pour donner ton numéro. Ouais. Après, on a fait un calcul comme ça, on s'est dit vite fait comme ça, 400, on a 400, un peu plus de 400 foyers. Si on a 3, même déjà 200 personnes qui veulent bien donner leur numéro, 200 personnes par 0,04 centimes, ça fait 8 euros. Non, par 0,04 par 200, ça fait 8 euros. Si on envoie 200. Mais c'est une question que tu t'es intéressée déjà à savoir combien de personnes avaient adhéré à la communauté du chemin. Non. Mais je crois qu'il y a moyen de le savoir. Hier, il y a un maire qui m'a dit fait combien il y en a. Donc je pense qu'il faudrait qu'on leur donne. Mm-hmm. Tu devrais demander déjà à voir ça. Oui. Voir ça déjà. Après, je pense que ça ne touche pas les mêmes personnes. On communique sur Facebook, on communique dans la presse. Enfin, il y a plusieurs moyens. Je ne suis pas sûre qu'on touche chaque fois les mêmes personnes. Il y a des personnes âgées qui n'auront pas Facebook ni Panneau Poquet, qui n'auront pas Internet sur leur portable. Il faut une portable mais pas de SMS. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a, mais moins. Il y a des portables sur SMS. Disons que ça nous permettrait de toucher un peu plus de gens. On va le prendre cette année. Après, là, il n'y a pas d'abonnement. On s'engage quand on veut, on arrête quand on veut et on ne paye que les. C'est vrai que l'avantage du SMS, ça peut être un truc, comme tu disais, une coupure d'eau, ça peut être un truc dans l'urgence qui est facile à mettre, alors que par écrit, enfin, par le journal, si tu l'as fait après, c'est trop tard. Oui, mais pas nos pockets. Les personnes âgées qui n'ont pas internet ou pas de smartphone, elles, à mon avis, n'utilisent pas toutes pas nos pockets. Mais je ne vois pas le smartphone. Ah, c'est mon téléphone. Alors, on ne touchera pas toutes, hein, mais. La majorité, quand même. Bon, en tout cas, là, c'était juste pour vous aviser du contact qu'on a eu. On en reparlera. En place de service pour des habitants, ça se passe par quoi? Par le bulletin? Alors, on pourra commencer par le journal, par Facebook, par nos poquets, le site de la commune, des choses comme ça, un affichage comme ça, mais on complétera effectivement par le bulletin. D'accord. L'urgence. Non, c'est pour ça. Oui. On va se laisser du temps. Et après, on va se renseigner un petit peu, parce que là, on n'a eu qu'un échange téléphonique. Je voudrais qu'il me marque bien les choses. Il n'y a pas d'engagement. Non, il n'y a pas d'abonnement. Et on veut. Alors, c'est limité, à un certain nombre de caractères, 160 caractères par SMS. Par contre, si on veut, on peut, pour le même prix, inclure un lien qui mènera sur le site de la commune où on aura expliqué plus les choses. Donc du coup, on est quand même. On peut envoyer des messages, on peut envoyer des photos, on peut envoyer des questionnaires. Voilà. Mais bon, on en reparle. Ensuite, je voulais faire plusieurs petits points. Déjà une petite information sur le PLUI, on aura bientôt à se prononcer. Donc à notre réunion du Conseil du 22 juin, j'ai demandé à Hervé Daval, qui est vice-président. Qui est maire de Notre-Dame de Saint-Vincent-de-Boissé et vice-président en charge de l'urbanisme, de venir nous expliquer le PLUI. Parce qu'il le fera bien mieux que moi, et on pourra lui poser toutes les questions qu'on veut, et on pourra du coup se voter en toute connaissance de cause. Ensuite, un point sur la commission tourisme qui a eu. Tourisme, c'est quoi, Lionel? En développement. Développement. Alors, tourisme, j'ai dit, donc je vais faire. Non, pas tourisme.
C'est pas tourisme que je voulais dire, c'était le centre du choix aqualudique, donc c'est développement. Je te laisse expliquer. Donc pour résumer vite fait, donc, il y a la commission de développement. Après, il y a eu un groupe de travail supplémentaire pour décider de lieu. Il y a trois lieux. Il y avait donc, le site Viva France au Coteau, le site La Goutte au Coteau et le Marclay Carrier en face de Charles. Donc, avec ce groupe de travail, ils ont mis les points positifs et négatifs. Donc, l'accessibilité, la superficie, tout ça, les transports, tout ça. Et puis, ils ont mis des notes. Et puis, à l'intérieur, il y a vraiment un parcours de l'autre. Après, le poteau, il voulait sûrement. Il a tout pris à l'heure, c'est ça, après le monde. Et donc, ça ne serait pas du scarabée. Après, le lieu a été défini. Après, ça va se faire dans ça, au moins. Donc, il y aura, voilà, c'est plus approprié. Après, il y a pareil. En 2015, je crois que c'était 23 sites à peu près qui avaient été proposés. Il en avait été retenu deux ou trois sur Prior maximum, dont un qui ressortait plus, c'était Marclay Est, effectivement. Et là, la maire du Coteau a voulu aussi proposer deux sites sur le Coteau, donc qui ont été pris en compte pour l'étude. Comme tu l'as dit, le système de notation entre l'investissement qui était demandé, la superficie, la tranquillité, le paysage, toutes ces choses, c'est le site du Marclay qui est ressorti. Et donc là, le centre aqualudique, les études vont commencer après. Le site a été validé par la commission, par la conférence des maires et en conseil communautaire. Et là, après, les travaux vont partir. La piscine de Rouen continue le temps des travaux, parce que là, si ça débute, de toute façon, je crois que c'est un projet qui verra le jour en 2026. Après, honnêtement, je n'ai pas. Je pense que la piscine de Rouen s'arrêtera en 2026, il me semble. Je ne sais pas. Non ? Oui. Oui, mais encore, il y a des gros travaux, je pense qu'il va falloir s'ils veulent les garder. Ah oui, et puis c'est des. Un gros problème de charpente, je crois. Non, je sais pas. Et en termes de frais de fonctionnement, déjà la piscine du Coteau coûtait très cher, celle de Rouen aussi. Là, sur le centre aqualudique, ils veulent vraiment intégrer des énergies renouvelables, essayer de. Ça ne coûte rien en consommation, voire produire plus pour revendre. Enfin, il y aura vraiment des grosses, grosses études. Voilà, c'est un gros projet, mais gros projet, gros budget, mais avec, je pense, des charges de fonctionnement qui sont moindres que les petites piscines. Et surtout, ce qui avait été évoqué au mandat précédent, c'était que ce centre aqualudique, qu'il soit, corresponde aux besoins, fameux savoir nager, etc., qui est une obligation. Mais en même temps, il rajoutait une partie sèche qui, elle, allait faire rentrer de l'argent au centre aqualudique, donc c'est-à-dire massage, soins, etc., restauration, donc une structure beaucoup plus complète qui ramenait aussi un peu d'argent au centre. C'est l'idée aussi. Pas que pour le savoir nager, c'était aussi un centre de loisirs des temps. Un petit point sur une commission ressources à laquelle j'ai assisté le 2 mars. Donc avant, pour vous expliquer, je pense que c'est important. À l'agglomération, on est en train de mettre en place un pacte de gouvernance. Moi, j'en fais partie. Et pour qu'on trouve un moyen de communiquer avec tout l'ensemble des conseils municipaux de ce qui se passe vraiment à l'agglo. Parce qu'évidemment, on est quand même loin. On n'est pas très concerné souvent par ce qui se passe à l'agglo. Et on a un peu tendance à parler que de notre commune. Et du coup, on s'est quand même engagé, nous les maires, à faire des points sur toutes les commissions auxquelles on assistait et aux choses qui se passaient à l'agglo. C'est important que vous sachiez aussi où passe l'argent public côté agglo. Donc, commission ressources, où en fait, on nous a tout bien présenté les mutualisations, avec des partages de ressources et de moyens pour améliorer la qualité et réduire les coûts.
Alors, il y a des mises à disposition de personnel, des prestations de services, comme on a pu voter tout à l'heure, des groupements de commandes qui sont mis en place. Par exemple, il y a eu une commande pour les véhicules électriques il y a 2 ou 3 ans en arrière. Il y a des partages de biens avec le prêt de matériel auquel nos associations adhèrent énormément. Je crois que plusieurs fois par an, elles peuvent y avoir droit à des tables, des chaises, des chapiteaux, du matériel électrique, de seaux d'eau, gratuitement. Il y a des services communs aussi auxquels on adhère, nous, au service ADS, donc pour l'autorisation, pour l'étude de nos permis de construire. Pour la voirie, où on a Dominique Tulou qui vient nous aider pour nos programmes voirie. Il y a aussi des mises à disposition de services ascendantes et descendantes. Alors, ascendantes, on a l'entretien des PA, des points d'apport volontaires, de nos poubelles. 33 communes sur les 40 adhèrent. Et alors, donc adhère, ça veut dire en fait que c'est normalement l'entretien des espaces autour des PAV et à la charge du Roi d'agglomération. Les communes ne peuvent pas entretenir les 40 communes. Nos agents font le travail et par l'intermédiaire de la CLEC, l'Afrique. C'est un versement direct. Ah, d'accord. On nous reverse, je crois que de mémoire, c'est 1 300 € par point, par an. Voilà. Ce qui correspond aux heures de travail effectuées par nos agents pour nettoyer autour des points d'apport volontaire. Il y a des communes qui adhèrent pour l'entretien des espaces verts, je crois que c'est des 6 grandes communes. Voilà. Il y a des communes qui adhèrent pour le CCAS, pour d'autres choses. Et dans l'autre sens, il y a l'agglomération qui met à disposition au contraire du personnel, alors, au bénéfice par exemple de la ville de Mably ou du CIEPAR pour l'élaboration du SCOT, c'est-à-dire pour notre schéma de territoire, pour participer à des réunions, tout ça. Mais tout ça, bien sûr, est tout calculé, financé, payé, dû. Enfin, c'est des calculs qui sont compliqués parce qu'une fois il y a 33 communes, une fois il y en a 2, une fois il y en a 1. Donc, c'est des calculs assez compliqués, mais voilà, la commission ressources où je participe, ça sert à ça, évaluer qui doit quoi, voilà. Ensuite, Sylvie, pour ta commission, tu nous parlais de la route des vins. Donc, je fais partie d'une commission qui s'appelle Tourisme et... Et donc, on a eu une visioconférence le 2 mars sur le thème de la route des vins. Donc, elle était animée par Antoine Vermorel. Donc, en fait, l'idée, c'est que depuis 1975, déjà, les vignerons rouennais demandent à ce que leur vigne soit mise en valeur. Et l'idée est de créer une route des vins, comme il peut y en avoir en Beaujolais, en Alsace, etc. Donc, ça a avancé petit à petit, puisqu'en 2002, ils ont obtenu l'AOC pour la Côte Rouennaise, et en 2019, ils ont obtenu le label Vignoble et Découverte, avec notamment le Forêt, sachant que grâce à ce label Vignoble et Découverte, ils ont maintenant la possibilité de créer cette fameuse route des vins. C'est grâce à ce label, tout le monde n'aurait pas pu le faire. Donc depuis 2019, il y a un certain nombre de personnes qui cogitent sur cette création de route des vins. Donc cette route des vins concerne 14 communes qui sont évidemment sur la côte rouennaise. Donc ça part de la Pacaudière. Ça démarre à la Pacaudière et ça se termine à Saint-Jean-Saint-Maurice. Voilà. Donc pour l'instant ça démarre. Hein, donc il y a plutôt une concertation, écriture d'un cahier des charges, etc. Le groupe de travail est aidé par une personne qui a été aussi à l'origine de la création de la route des vins en Alsace, donc quelqu'un qui connaît bien les rouages de tout ça. L'idée serait que dès l'été 2022, cette route des vins puisse être pensée. La particularité, c'est que nous, on se dit qu'on a quand même beaucoup de vignes de notre côté. Mais ce qu'ils souhaitent faire, c'est associer les 40 communes en se disant qu'il y a une partie des communes où effectivement ils ont la vigne,
Donc, eux, ils sont directement concernés par la visite des caves, etc. De façon à ce que les touristes puissent, à un moment donné, être dans les caves, et puis à d'autres moments, assister à une animation organisée par les autres communes. L'idée, c'est que les 40 communes se sentent concernées par cette route des mains qui permettrait de promouvoir le Rouennais. Donc, il a été constaté que, évidemment, le tourisme vert avec le Covid s'est développé. Il y a eu une très bonne année touristique pour le tourisme vert. On a un vignoble avec 25 viticulteurs dont la moitié fait du vin bio. Donc, c'est la tendance aussi. Donc, autant travailler là-dessus. Les dégustations sont faites par les viticulteurs eux-mêmes. Hein, ils n'ont pas 36 employés pour faire les visites, etc. Donc, il y a de l'authenticité. Il y a plusieurs villages de caractère tout au long du circuit. Donc, il y a des beaux villages qui pourraient être mis en valeur. Il y a une offre gastronomique, évidemment. Et puis, que la ville-centre, autrement dit Rouen, est quand même une ville avec un lien avec le vin, etc. Le problème pourrait être que notre route qui concerne, je ne sais plus comment elle s'appelle cette route qu'ils nous ont dit, j'ai perdu le nom, cette petite route, les terres touristiques, on ne va pas refaire la route en disant que finalement, l'idée, ça serait peut-être de rendre ce circuit plurimodal. Voilà, c'est-à-dire que les gens puissent l'utiliser en voiture, mais aussi y aller, pourquoi pas à vélo, ou faire des circuits à pied, etc. Les vignobles sont de petite taille, donc c'est vrai que ça peut avoir son inconvénient, mais en même temps, il faut ressortir l'authenticité. Donc en fait, ils essayent de trouver du positif dans tout ce qui pourrait être un petit peu des points faibles, on va dire. Et puis, semblerait aussi que pour les gens qui ne sont pas d'ici, il y a une confusion entre la Loire, les Pays de Loire, Rouen, Rouen, enfin, etc. Donc, l'idée, c'est de beaucoup communiquer sur le fait qu'on soit à Rouen, et que c'est la route rouennaise et non pas rouennaise. Voilà. Donc, l'idée, donc, comme je disais, c'est de travailler avec toutes les communes. Donc, ils voudraient avoir notre accord. Y compris donc pour les communes de l'Est, de Grand-Rennes et Anglo, pour qu'on puisse apporter des animations, des choses en lien avec le vin, de façon à ce que toutes les communes soient solidaires du projet. Donc, on devra délibérer à ce sujet. Ouais, on verra la prochaine réunion. On l'a reçu, hein, oui, mais après lors du jour. Oui. Donc le projet de délibération, on l'a reçu, mais après lors du jour. On ne peut pas voter ça aujourd'hui, mais ça pourrait être voté au prochain conseil municipal. Par contre, il faut désigner un référent pour chaque commune et puis proposer des idées d'animation, si on adhère évidemment à leur projet. Proposer des animations avant le 1er mai pour qu'on puisse commencer à y travailler. Et l'idée serait de proposer un calendrier annuel de toutes les manifestations, de tout ce qui peut être fait sur le territoire. Voilà. Donc, par exemple, une cité, une balade gourmande, où par exemple, vous avez un producteur de fromage de chèvre au village, vous faites une petite balade gourmande, en même temps vous faites venir des vignerons de la côte, ça fait une animation, ça apparaît sur la plaquette annuelle, et s'y diffuser au niveau de l'office du tourisme, etc. Et ça fait parler de la commune, et ça amène un peu de tourisme. Donc après, à chacun avoir des idées pour proposer des choses. Donc, ils disent évidemment, associer vos associations. Ils peuvent avoir des idées aussi par rapport à ça. C'est chou. Donc, voilà. Après, à nous voir si on veut y participer ou pas. Après, c'est des idées qu'il faut transmettre au premier, mais c'est pas forcément. Oui, mais même des idées.
après, il faut qu'on, dans un premier temps, qu'on délibère. Avant de délibérer, on peut commencer à travailler quand même. Après, bon, si personne n'est d'accord, tant pis, on ne le fait pas. Mais on peut commencer à travailler. Après, Sylvie, tu es déjà bien lancée là-dessus, donc je vais continuer à faire la référence. Et après, s'il y en a qui veulent se joindre à elle, par contre, trouver des idées, des idées de manifestations qu'on peut avoir, qu'on pourrait associer, ça peut être des balades, comme tu dis. Pour l'instant, c'est des idées. Donc, on ne fait pas un groupe de travail. On peut. Non, on peut, tout à fait. C'est l'idée. S'il y en a deux ou trois qui veulent rejoindre Sylvie pour commencer à travailler, il n'y a pas de souci. Oui, peut-être pas. Donc voilà, on avait évoqué une balade gourmande. Et au moins, ils expliquaient aussi qu'ils avaient fait le constat qu'en mettant de la côte rouennaise dans les restaurants, notamment les bons restaurants rouennais, quand c'est notamment des touristes, des gens qui sont pas rouennais, qui viennent et qui goûtent les vins, ben, le lendemain, ils sont dans les caves, ils achètent du vin. Et ça fonctionne vraiment. Donc voilà, c'est faire connaître, de toute façon, ça développer un peu. La côte rouennaise. Nous dire pour ce prochain, non, c'est pas facile, quoi. Oui, ouais. C'est ça en fait. Mais... Après, voilà, c'est. Enfin, il faut à un moment, je pense, préparer les choses, et puis on les programme, et puis c'est annulé, mais c'est programmé, et quitte à être reprogrammé l'année suivante. Hein. Non, je ne pense pas que ça prenne effet cette année. Les animations ne pourront pas être proposées. De toute façon, ça va être travaillé, tu vois. Ça ne sera pas ouvert, enfin la route des vins ne sera pas ouverte pendant l'été de 2022. Voilà. C'est que début, là. L'écriture du cahier des charges en décembre, enfin, en fonction sur début, là. Donc, c'est un peu chargé de trois trucs, mais. Voilà. Si vous voulez rejoindre Sylvie, ouais. Apporter des idées, vous n'hésitez pas à la contacter. L'idée, c'est qu'on puisse déjà poser des choses avant le 1er mai, parce que le 1er mai, voilà, c'est déjà une première date butoir où il faut que chacun apporte des choses. Après, on n'a encore pas les mettre sur le panier de l'année. Mais au moins, voilà, chacun apporte des choses et on voit ce qu'on peut en faire. Alors, ce qu'il précisait aussi, c'est que si on a, je sais pas, des restaurants, des chambres d'hôtes, etc., et qu'on veut promouvoir, ben, c'est le moment de le faire. On a des producteurs, c'est le moment d'en parler aussi. Un producteur pour organiser quelque chose, une chambre d'hôte pour organiser aussi une activité. Et à chaque fois, on fait venir 1 ou 2 vignerons et ça permet de faire parler d'eux. Et nous, ça nous permet d'être sur la plaquette fait du tourisme. Voilà. Mais forcément, il y a un lien avec le bar. Sinon, ça marche pas. Voilà. C'est le point de vue. Après, tous les vignes, enfin les vignons sont. Ils jouent toujours, quoi. Il y avait un nombre. Bah là, oui. Il y a quasi tous. Bah, il n'y a pas tant de gens qui sont très dépassés. Ah oui, ça fait partie du tout. On n'a jamais pu faire venir un producteur de Beaufort-Lès. Ah, eh ben tu vois, pas l'occasion. Non, mais ils ont jamais fait les fjords. Mais là, du coup, on va être dans un contexte où il y aura avec une annonce N-1, enfin, ça peut être intéressant. Après, si on a des animations un peu récurrentes, bah, c'est bien aussi, parce que si on sait qu'il y a une expo ou un marché d'hiver qui tombe toujours à peu près à la même date, et bah, on peut le positionner. Et rien n'empêche que tous les ans, on ait effectivement un vidéo rouennais qui vient. Et donc, ça nous fait de la pub auprès de l'office du tourisme, donc ça, c'est assez large et ça peut ramener aussi un peu quelques personnes. Donc c'est toujours ça. D'accord, voilà. Il faut autant parler aux associations. Oui. Parce que bien que les associations leur expliquer et voir ce qu'ils en pensent et est-ce qu'eux, ils ont envie de se positionner là-dessus et comment mettre en œuvre après. D'accord. Merci. Les décos de Noël, si vous avez travaillé, Cindy, tu veux en dire un petit mot? Oui, il y a à peu près 3 semaines, on s'est rencontrés avec Laetitia, Sarah, et on a demandé à Yvonne si elle voulait participer. C'était intéressant, du coup. On a bien travaillé, on a bien avancé, on a repris les idées qui ont été évoquées lors du dernier mandat. On a regardé un petit peu
l'existence, qui peut être réparé, réutilisé. Je vais vous dévoiler puisque ça sera un prix. Mais en tout cas, on a regardé ce qui pouvait être acheté, qui pourrait être créé au niveau structure. Et donc, Edouane était très motivé à ce sujet. Donc, je pense que le coût sera moindre par rapport au budget qui serait alloué en 2021. En tout cas, c'est en bonne voie. D'accord. Après, il faudrait qu'on ait un petit chiffrage quand même avant le vote du budget pour savoir. Ça doit terminer au 31 mars, donc on va essayer d'en profiter. On a échangé quelques mails, mais c'est profil. On va essayer de profiter des tarifs conventionnels. Voilà. D'accord. Et bien, ça avance. Ça avance. Bien. Alors, si on peut profiter des promos, c'est génial. Oui. Mais si, s'il faut affiner le budget. Et ça ne sera pas énorme. Oui. Bon, alors, au pire, on pourra quand même augmenter un petit peu peut-être le budget pour être sûr que ça rentre dedans. Oui, bien. Bien, ça. Il y en aura mis cette semaine, mais j'ai pas eu le temps encore s'en occuper, mais il va faire des essais. Oui, ouais. Mais il est bien motivé en tout cas. D'accord, ben merci. Les jeux, l'école publique, Sylvie, ça avance? Oh, bah, ça avance tout doucement pour l'instant, parce que en fait, on a créé un petit groupe de travail et on se voit. Mardi, c'est ce mardi, je crois. Oui, voilà. On se voit mardi de façon à poser les premiers éléments, à savoir déjà voir comment il a cours, qu'est-ce qu'on peut y mettre, puis après on voit quels sont les besoins, etc. Et on a associé notre ADSEM puisqu'elle est directement concernée. D'accord. Ben, voilà. On tient le cours. Oh, oui. Et puis le dernier point, Yves, sur la voirie. Donc, le chemin du Côte-Sable, et puis l'agglomération. On a fait les fossés, ça fait un bon miroir, donc le chemin du Côte-Sable et Marlotan. Les fossés sont faits, on a fait aussi le chemin du Gilles. On a fait les aires croisantes, le chemin du Côte-Sable. Ce sera assez apprécié. Du coup, on a profité pour mettre toute la terre de l'anglais là-bas dans le trou en descendant le Graboton, et il y avait un trou qui menaçait la route, donc on a révolué la route. Voilà. Si on va avoir une petite brigade à faire le chemin de la Provence, il y a un camion qui est allé livrer Funardou et il n'a jamais vu la ferme, il n'était plus loin. Et il a voulu prendre le virage au fond avec un 40 tonnes. Donc, il arrivera qui nous a amené le nom de l'entreprise, j'ai pu les contacter. Donc, bon, il n'y a pas un gros dégât, bon, on a vu pour 400 euros. Donc, mais c'est la société qui va prendre en charge. Voilà. Et bon, vu le montant, ils ont dit, on ne va pas faire marcher l'assurance, ils vont payer directement. Donc, il devra le faire ça, si le monde est rapide, le faire rapidement. Voilà. On a reçu Dominique Tulou lundi matin concernant le chemin de la chapelle. Vous voyez, on avait évoqué dans la commission voirie pour le faire rénover. Il y a du boulot. Il y a du boulot, ça risque de coûter largement le budget d'une année. Donc, c'est évoqué, il faut qu'on voit. Il y aura aussi des problèmes des eaux pluviales aussi à gérer. Donc, je pense qu'on fera une réunion déjà avec aussi la Rouennaise de l'eau. Et puis Dominique Dulou pour nous assister aussi, parce que ça risque d'être un bon budget pour les bordures, tout ça, refaire les bordures, mettre les trottoirs en normes, parce que si on refait les bordures, on est obligé de mettre les trottoirs en normes. Donc voilà. On avance. Là, oui, c'était le budget n'est pas très encourageant, mais quitte à peut-être pas faire une année ou très peu. Voilà, juste comme ça. C'est 300 mètres linéaires qui vont coûter cher. Dans une agglomération comme ça, on ne peut pas le faire autrement.
Donc, on parlera de tout ça. Merci. Et bien, moi, j'ai fini les points que je voulais aborder. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres points, Bruno ? Petit point. Donc, on m'a évoqué, est-ce qu'on peut envisager de poser un banc à chaque extrémité du parking du cimetière pour que les personnes âgées qui remontent toujours n'ont pas vraiment de points pour se poser un moment ? Au niveau du parking, des parkings. Oui, à chaque extrémité, tout au long, c'est peut-être envisageable. Je pense que ça va pouvoir faire, ça peut être un budget qui est assez faible. Oui, oui. Au niveau du budget, oui, après le lieu. C'est l'emplacement. Peut-être qu'il faut un peu sur l'air, là, c'est pas. Peut-être. Est-ce que c'était judicieux de mettre aussi près du cimetière, alors que les gens partent juste Ben, ils ont déjà fait la descente, ils ont été promenés dans le cimetière un moment. Oui. Et vraiment, c'est peut-être pas mal si on peut éventuellement l'agrémenter d'un arbre, ça c'est. Oui, c'est ça. Beaucoup du grand. Oui, dans le grand, il y aura pas de soucis. Non, mais on va trouver une solution. Parce que c'est que la partie publique, c'est que le boudron, quoi. Après les accotements. Mais bon, faut qu'on regarde et. Regardez, moi, le fond, c'est pas le budget, les solutions, c'est les accotements, quelque chose. Voilà. Deuxième point qu'on a évoqué, c'est que les trottoirs de bourse sont certains endroits pas en très bon état. Est-ce qu'on peut commencer peut-être à regarder ce qu'on peut obtenir comme subvention du Grand Rouen, du département de la région, pour voir faire budgéter un peu ces choses-là. C'est pas dans l'urgence de le faire, hein. Mais c'est après, si on commence à toucher au trottoir, il faut les mettre au 1m40 et on n'a plus de circulation qui pourra se faire à du besoin. Donc, si on commence à ça, il faut faire tout le plan de circulation avec. Il faut peut-être regarder, peut-être commencer à se pencher un peu dessus, c'est un projet qui pourra se faire à un moment ou à un autre. Et ne serait-ce que déjà commencer à l'aborder, permet pas d'envisager le futur. Après, au niveau de l'État en eux-mêmes, on a suivi pas mal il y a 2 ans. Donc bon, il y a sûrement des bordures adréchées, des choses comme ça. Il y a peut-être des choses à revoir. Mais en général, quand ils sont un peu allumés dessus, je sais, il y a 2-3 ans, il y a des gens qui ont suivi d'autres parties. S'il faut, on fera un tour s'il y a besoin de reprendre, on fera des reprises. Hein. Oui, c'est voir ce qu'on peut faire. Tu avais des lieux particuliers plus mimétaux ? Je ne les avais pas notés. Il y a un trou qui a été réparé, alors pas chez Là, c'était la commune qui l'a fait. Troisième point que j'ai, c'est est-ce qu'on a l'idée de quand est-ce que la société de tri Optivant va reprendre le goudronnage de sa commande de 2020 ? Quand la météo, enfin, quand les températures vont monter un peu, que les sols soient réchauffés, on ne peut pas faire des. Du pavillonnage sur un sol de bois. D'accord. Ça ne tient pas. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait en fin d'année. Mais ils sont quand même au courant qu'ils vont le faire. Ah, ah oui, de ce côté-là. Oui. Ça se fera, c'est sûr. Mais on attend les 12 ans. Donc ça, c'était les points que j'avais d'autres. D'accord. Beaucoup j'en ai d'autres. Par rapport au dernier conseil municipal, où vous avez délégué pour certains pouvoirs. Est-ce que vous pourriez nous faire un compte rendu quand vous les utilisez plus? Pas de souci. Okay. Ensuite, il y avait un autre point par rapport au radar pédagogique qui à la base devait être mobile. Oui. Qui est toujours au même endroit. Oui. Est-ce que c'est possible? Alors, je le déplace. On avait dit effectivement qu'on le déplacerait. On se rend compte que le déplacer, c'est un peu compliqué. Là, on voulait essayer peut-être aussi de voir au moment du vote du budget si on budgétait un petit peu pour en acheter un vraiment mobile, qui on déplacerait un peu partout. Parce qu'il y a à nouveau donc, des situations un peu compliquées. Oui. J'ai vu qu'il y avait dû y avoir un accident aussi pas loin chez nous. Il y a d'autres choses aussi, toujours dans le même esprit. C'est qu'il y a des jeunes motos qui vont du coup dans un champ qui est juste à côté du mien en contrebas, celui de M. René Renard, et qui font du broquet dedans, qui donc il y a une phrase, je pense. Ah. Ouais, il y a un groupe de jeunes là qui tournent en moto. J'ai essayé d'aller les voir hier soir, ils sont partis du coup, par le bas, et ils s'arrêtent en règle générale. Ah, ça fait un mois de temps. Des parkings. C'est ça. Des parkings de la cité. Ah, non, non. Après, c'est ça, au vieux champ.
On a un petit souci de rodéo actuellement aussi sur le parking de la Sardinie. Ah, bah c'est ça, mais voilà, c'est en train de. Enfin bon, il y a eu un poteau de cassé. Ah, mais c'est un retour. Les voitures, apparemment, j'ai mis les vendredis. Non, c'était un retour. Je crois à 19h30, de 19h30 à 20h. Pour repos. Ouais, c'est hors repos, ouais. Mais t'es tranquille, ou pas? Nous, on range pour l'hôtel. Après, je sais pas si sur après, sur un terrain privé, nous, la commune, on peut difficilement aller. Oui. C'est plutôt au propriétaire de la personne. Après, j'ai porté un monsieur Bernard, il est au courant. Mais le problème, c'est qu'il va mettre les voitures. Il ne peut pas encercler son champ. Bien sûr. Et puis, s'ils ne vont pas là, ils vont aller ailleurs. D'accord. Et puis, c'est des retours que j'ai. Et ouais, comme on tient la clé voiture parking, ne pas hésiter de m'appeler. Je te reviens. Attends, le monde frère, sur le parking de la salle des fêtes dimanche, il a envie de se calmer, puis se excuse-moi. Dimanche. C'est quelqu'un de la commune Je pense qu'on est. Il a trompé, il s'est fait des bulles de raisin. En général, les jeunes en fait, ils sont pas là le week-end. Mais bon. Ils sont en voiture. Ils sont pas en voiture. Non, mais en voiture, ils ont pas Les élus sortir les motos de toi, t'as le cimetière, t'as une maison juste en dessous du gîte. Oui. T'es une espèce d'usine là, je sais pas ce que c'est. Ils ont un hangar. Là, il y a un hangar, et ben voilà, ils sortent de là. Ils trafiquent dedans, je pense, les motos. Voilà, c'est ça. Ils sortaient de là et ils trafiquaient. Il manque conseil. Du petit dernier point, c'est la fonction. C'était par rapport à la commission, enfin, pas la commission, le groupe de travail par rapport aux ordures ménagères. Oui. Du coup, j'ai regardé au niveau légal, tout ce qui est sur la loi publique, du coup, ne nous appartient plus. C'est-à-dire qu'on a le droit de regarder dans les poubelles. C'est possible. Sauf que je trouve que le niveau éthique, c'est un peu limite. Parce que commencer à regarder ce qui se passe chez les gens, c'est. Alors, pas chez les gens. Non, vous avez. Non plus. Enfin, non, là, on fait uniquement dans les bacs de regroupement. Voilà. Non, on ne va pas ouvrir les poubelles des gens. C'est-à-dire que tu crois que vous pouvez critiquer dans les bacs. Là, actuellement, on a déjà commencé, parce que la semaine dernière, du coup, c'était horrible. On voyait sortir des trucs des poubelles, ça mettait un petit peu. On a pris des photos, il y a quand c'est le quartier qui est bien repéré avec les gens qui ont la clé, on a mis un mot dans chaque boîte aux lettres, avec les photos de ce qui a été mis dedans. Alors, des bouteilles en plastique, nous on bat, on n'a déjà rien à y faire. Des bouteilles en verre, des boîtes en métal, des énormes trucs, des cartons pliés énormes. Après, dans les autres poubelles, on a repéré alors, une boîte entière de bocaux en verre neufs, des bouteilles, des sacs entiers de bouteilles. Donc, on a fait des photos, on a mis des baux sur les boîtes aux lettres. Excuse-moi, je te coupe, mais des sacs entiers de bouteilles, ils ne sont pas dans les verres? Ah, oui. Dans les camions récupèrent. Tout ce qu'on met dans les. De quoi vous parlez? Les déchets ménagers, non, vous ne parlez pas des. Pas des PA. Des bacs de regroupement, c'est-à-dire qu'il y a des endroits dans les petites rues où il y a un bac, tous les gens viennent mettre leur poubelle. Ah oui, d'accord. Mais ça ne rentre pas, on y met n'importe quoi. Là, moi, j'ai insisté, j'ai fait marquer sur les poubelles que le prix de l'enfouissement de la tonne de déchets, c'est 24 € actuellement, mémoire, et en 2025, ça passe à 65 €. Donc, il faut à tout prix qu'on diminue nos déchets ménagers. Je ne sais plus quel est le pourcentage dans une poubelle de tous les particuliers qu'on peut encore trier. Alors, ceux qui trient, bon, voilà, on s'aperçoit quand même toutes les semaines, on n'a plus que des petits sacs à mettre depuis qu'on a le tri. Voilà. Mais il y a énormément de choses qui n'ont plus rien à faire dans ces poubelles. Alors, certes, on va vous dire, on paye. Ça augmente, bah oui, mais sauf que si on ne trie pas, ça augmentera encore plus. Et puis, ça détruira notre planète. Enfin, il faut tout prendre en compte. Donc là, on a décidé d'essayer de faire réagir un petit peu les gens en affichant les photos de ce qu'ils ont mis. On ne divulgue pas de nom pour l'instant. C'est un
premier, ça a été un premier petit travail, en espérant que les gens soient conscients et évitent de le faire. Si ça continue, les noms, il y en a partout, on en a plein. On n'a pas besoin de chercher ni d'ouvrir des sacs. Donc si ça continue, on ira voir les gens, carrément. Et puis après, s'il faut ouvrir des sacs poubelles pour trouver, ben, on ouvrira des sacs poubelles. Moi, j'ai déjà fait sur le parking de la salle, j'ai déjà une personne d'une autre commune qui déchargeait, mais après, il y a une poubelle pleine, pas de déchets ménagers. Ça aurait été des déchets ménagers, ben, à la limite, voilà, c'est pas les nôtres, c'est des déchets ménagers. Là, c'était des jouets, des vêtements, des trucs tout neufs. Et à force de vous dire, on a trouvé son nom et j'ai déposé plainte à la gendarmerie. Il a été convoqué par le procureur de la République. Moi, ça ne me pose pas de problème. Donc, s'il faut ouvrir les salles, j'ouvrirai les salles. Mais pour l'instant, on commence à essayer de sensibiliser les gens autrement. Il n'y a pas un moyen d'inciter les gens d'une façon. C'est pas évident, mais peut-être de trouver déjà en faisant par les enfants. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver ça? Enfin, je ne sais pas comment vous avez ça. L'école là, ils trient aussi, on les fait trier, ils emmènent des pots de yaourt aussi au bar, tout ça. Après, oui, moi je pense qu'il y a un grand manque de communication aussi. Moi je m'étais dit, il faudrait qu'on fasse une grosse réunion publique en expliquant vraiment aux gens. Bon, aujourd'hui on ne peut pas faire de réunion, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'on pourrait commencer par là. Après, on communique dans le bulletin, Royal-Glo communique sur ça, il y a déjà plein de choses. Mais je pense que les gens partout, les gens qui ne trient pas, ne viendront pas dans le monde. Je suis convaincu. Les gens trient, qui sont sensibles à tous ces sujets, qui sont présents, qui vont accéder. Juste une petite question, justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Maintenant, justement, effectivement, on se retrouve juste avec un petit sac par semaine. Alors, est-ce qu'on est obligé quand même, alors est-ce que c'est un gain de temps si on le met dans la poubelle et qu'on sort la grosse poubelle, ou est-ce qu'on peut juste poser un petit sac? Non, il faut absolument le mettre dans une poubelle, ouais. Elle est accrochée sur le camion. Et voilà, c'est ça. Mais il me dit qu'il faut pas que les agents se baissent. Ah, ouais, ok. Ouais. Avec beaucoup de. Il y a le. Je sais pas comment il s'appelle, le monsieur des ordures ménagères, qui fait souvent des tours le mercredi et qui essaye de dire aux gens, ça part d'un bon sentiment, mais non, sortez le poubelle. Ah, ouais. Ouais. Voilà, c'est une question. Donc voilà, on va essayer d'y aller doucement et... Parce qu'il y a des endroits où les containers sont pleins. Oui. Mais c'est pas ceux de la commune. Oui, c'est pas des gens de la commune. Moi, je suis arrivé avec une qui venait d'une commune voisine, qui a ouvert comme de la neige, j'ai tout rebalancé les poubelles, je crois que j'en ai mis un petit peu plus que... Parce que elles, c'était payant dans leur commune, et c'est... Non, j'ai... pas en train d'affirmer, où tu parles? À la combien? Ah, elle est dans un... Et t'es pas fermé à clé? Ah bah, il est tout le temps plat, le mercredi soir, encore ces jours, ça s'est calmé un peu. Mais on va dire, il y a 6 mois en arrière, la poubelle passait le mercredi matin, le mercredi soir, il était déjà cul. Le camion va plus sur le mercredi, la chambre, c'est ça? Il passe plus chez vous, non? Si, il est encore, ouais, tant que les poubelles ne ferment pas à clé, c'est sûr que. À voir. Je leur signale. D'autres points? Personne n'a d'autres questions, d'autres sujets qu'on peut aborder? Moi, j'ai une question. On a toujours parlé à faire dans les voitures, on a fait comprendre par mon voisin qu'on n'était pas une déchetterie. Non, il a compris la manche. Ah, il a débarrassé un peu, non? Ah. Ouais, bon, aujourd'hui, non. Enfin, on dirait une déchetterie, non? Ah, c'est le tout? Ouais, voilà. D'autres choses? Bon, on va enlever la séance. Il est 22h15. Merci. Ne vous éloignez pas de votre papier à signer.
Bonne nuit.